premiers jours, j'étais hyper stressée, c'était horrible. C'était dur quoi, d'arriver, de connaître vraiment personne et de ne pas pouvoir partager son stress forcément. Ma première impression, c'était « Oh mon Dieu, dans quoi est-ce que je me suis foutue ?» Parce que je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais pas, on n'avait pas le même style, on n'habitait pas dans la même ville. Toutes les personnes que je voyais, enfin, elles avaient l'air d'avoir entre 15 et 20 ans. Puis moi, j'étais là, je me disais « Putain, je suis la seule à avoir 13 ans. » En fait, c'est ma mère qui avait reçu la newsletter de Odéon, comme quoi il y avait un projet Adolescence et Territoire. On a eu un entretien où on nous a demandé de parler de nous, etc. J'avais vraiment fait un truc un peu ludique où ils piochaient un petit bout de papier et ils découvraient une phrase et puis il fallait qu'ils partent en impro. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu impressionné puisque moi, c'est la première fois que je fais du théâtre en voyant d'autres personnes ayant la facilité de jouer, quoi. Je me suis dit que je préférais avoir peut-être un groupe plus débutant, mais qui allait vraiment foncer dans cette méthode-là. Je me suis dit que j'avais besoin d'avoir aussi des gens qui avaient la patate. Donc c'est l'histoire d'une Gabrielle ou d'un Gabriel. Et qui va être à un moment donné embarquée dans un jeu mortel. Enfin parce qu'elle, elle veut montrer qu'elle est leur amie. Et du coup les autres vont lui faire « Ah ouais, bah alors fais ça pour nous. » Et du coup, bah elle va mourir. On s'est dit qu'on allait vous donner un thème de départ. On s'est inspiré aussi d'une pièce qui s'appelle « ADN » de Dennis Kelly. Il ne s'agit pas du tout de jouer la pièce de Dennis Kelly, mais il s'agit au début de se servir de quelques thèmes et d'un appui de texte pour aller vers l'improvisation. Nous, le thème de la mort, ce n'est pas un thème pour travailler le morbide du tout, c'est de dire que c'est un thème fort, qui fait qu'à partir du moment où quelqu'un est mort, la situation va être beaucoup plus puissante à jouer. Je me dis, c'est ça, la fiction est presque un prétexte. Donc je n'ai pas envie de me noyer dans la fiction, mais plus avoir un trajet, en tout cas de dramaturgie, de dire bon, le spectacle il doit partir de là pour arriver à là. Après, avec les heures de répétition qu'on a, on mènera tout ça. En tout cas, je me dis, je n'ai pas envie de terminer sur ce que pourrait être un parallèle avec la pièce de Dennis Kelly, mais d'aller sur quelque chose qui pourrait être plus onirique, en fait, et plus... ou qui pourrait faire une réponse avec pourquoi j'ai accepté de monter ce projet, en fait. Qui est vraiment propre au fait qu'ils soient adolescents, vraiment, et qu'ils habitent ces lieux-là, quoi. Pas mal du tout, c'est une très bonne lecture. Il faut que vous, en tant que jeune, au début, la scène, elle soit assez... Bon, ben, on raconte, même on revit un peu les faits, puis vous allez devoir écrire qu'est-ce qui s'est passé, on va changer un petit peu l'histoire. Mais à la fin, je veux que vous réalisiez que ce que vous êtes en train de dire est monstrueux, et que ça peut changer votre vie et vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux. Oui. Gabrielle, il ou elle est vraiment morte, quoi. Il n'y a aucun doute. On ne peut pas dire genre peut-être ou je ne suis pas sûre. Elle est morte. Ça, vous pouvez le noter, hein, ça peut vous aider. On rigolait et on l'a fait venir, Gabrielle. On l'a appelé. Là, on écrit tout ce qu'on va dire. Hein non, écrit... pas. Non, les grandes lignes. On a brûlé un truc... Tu vois, genre on lui a fait manger des craies, elle rigolait et tout, quel bolos, ouais, c'est une bolos, tu vois. Moi je pense que sous l'effet du groupe, tu vois, on dit viens, allez, viens, et tout, nanana, on la pousse un peu, allez, viens, c'est bon, tu vas pas rentrer chez toi alors que c'est bon, tu vois. Bon, alors on arrive, on est dans la classe, je sais pas, on lui fait manger le hamster, il commence à faire malin. Tu vas dire les escargots, c'est parce que hamster ça saigne et tout. Escargot, elle l'a déjà dit, hein, là. Ouais, mais j'en ai fait un en élevage d'escargots, donc ça fait un peu vrai. Mais on peut faire des vers aussi. Quand elle va voler un truc, je me dis qu'elle peut aller chez Ryan. L'épicerie chez Ryan. Et c'est les quatre scènes où À Paris. Ah, mais c'est mieux, Clichy. Bah, Clichy. Bah, voilà, Clichy, c'est encore mieux. C'est ça que je connais le mieux. C'est encore mieux. Moi aussi, c'est Clichy. Hein? Non. En plus, comme on lui fait voler un sac, t'as les petits riches de Levallois juste en face. Voilà. Top. Pendant les répétitions, on pose des bases, donc on fait une sorte de squelette. Et ensuite, lorsqu'on
présente aux autres notre squelette, bah, il y a toute cette improvisation qui se met en place, donc il y a des choses qu'on n'a pas forcément prévues, et c'est ça qui est intéressant, justement. Bah, tu vois, genre, tu vois, on va si jamais tu normalement... Si tu ne pas sur le lieu du crime, ils savent pas que c'est toi. Ils savent pas que c'est toi. Ouais, en attendant, la sœur de la coupable, moi, de la victime, moi, je la connais. Hein. Et puis même... Et elle sait qu'elle est avec vous. Il faut aussi que les... Comment ça s'appelle, les poumons, là, ils soient imbibés d'eau. Donc au début, ça flotte, et ensuite, ça recoule. T'as vu, elle est trop forte. T'as vu ? Cours de bio. Bah, j'espère que ça va couler vite. Hein. En fait, quand je dis aux gens que je fais du théâtre, ils pensent direct à Shakespeare, Molière. Alors qu'avec Julie, c'est tout simple. C'est en fait comme si tu vivais ta vie, mais juste sur scène. Il faut pas que ça aille plus loin dans le personnage Wesh Wesh, quand même, pour que ça reste proche de toi. Autrement, ça va t'emprisonner. On invente, en fait. On fait une pièce et on n'a pas des papiers, enfin, un texte. Et je trouve ça cool parce que, du coup... C'est un peu notre enfant, à tous. Le travail avec Julie, c'est souvent ça, c'est prendre ce que nous dit l'autre et en faire quelque chose, et pas le refuser ou faire comme si on n'avait pas entendu. Vous avez vraiment été très juste à ce niveau-là, de tout, d'être très alerte en fait sur ce qui se passait autour de vous, de ce qu'on vous disait. Donc je peux y aller ? Non, tu peux pas y aller, qu'est-ce qu'on fait pour cette histoire ? Pourquoi je peux pas y aller ? Parce que t'as chouré encore tes merdes à Franprix, bordel ! Ah, c'est rien ! C'est pour bouffer! Oh, c'est rien! C'est pour bouffer! Bah, trouve un boulot, Katia! Vous êtes amusés tous les deux. Vous êtes amusés, vous n'êtes pas fait de cadeaux, et t'en devenais la nana, et on se dit, elle est au poste dans deux jours, elle retourne. Ouais, mais ça. Et en même temps, elle n'était pas. Il y avait aussi quelque chose de tragique, parce qu'à un moment donné, t'as quand même dit, c'est pour manger. Bah ouais. Bah ouais, mais il y avait une vraie évidence. Et à la fois, il y avait un vrai truc où on se dit, il faudrait l'aider, en fait, cette fille. Ça devenait un personnage. C'était pas Katia. Mais tu l'as fait à partir de Katia. On sait qu'on n'est pas auteur, mais l'impro va donner une force de vie qui fait que même s'il y a du déchet, cette force de vie-là, on ne pourrait pas nous le donner avec un texte parce que là, on fait le choix de nos propres mots. Mais il faut faire un choix. Si c'est trop... Tout d'un coup, ça devient un peu pauvre. Hier, il n'y avait pas de pauvreté dans vos propositions. Mais les deux meilleurs séries de games, c'est Elworld et Orange is the New Black. Ouais, on va travailler. Quelqu'un sait où on arrive. Je suis dans quel groupe, moi? Non, parce que Salim, il lui a mis le... Salim. Il y avait un truc. Marius, je vais te quitter. C'était magnifique. Parce que je connais pas Salim. Moi, c'est Salim. J'ai toujours dit Salim. Tu viens quand même? Ah oui, mais je m'attends. On sait, moi, il y avait un mec dans ma classe. Sérieux? Moi, il s'appelait Guerrier. Il y a eu des super scènes hein, hier, qu'on reprendra sur version flic, version... Salut Alana. Version flic, version proviseur et version grande sœur. Il y a des choses qu'on reprendra, qu'on retravaillera. Là, on a besoin de créer un groupe. On commence à avoir 20 jeunes sur un plateau. Je me suis dit, mais de toute façon, je ne peux pas les balancer comme ça. Il va falloir que je trouve des moyens, des jeux, pour qu'ils ne se rendent pas forcément compte qu'en fait, le travail a déjà commencé, mais par une méthode assez ludique de faire du théâtre ou de bouger ensemble, en fait, on allait arriver directement aux problématiques qui est sa place par rapport à un groupe. Quand la musique démarre, ce qui est bien, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui rentre. Et puis il y en a deux, et trois, et quatre. On va voir comment ça peut avoir de la gueule tout de suite de dire un plateau nu, c'est un plateau nu. 20 personnes qui rentrent sur un plateau, c'est eux qui ont le pouvoir, quoi. Si tout d'un coup, on a les 19 qui trouvent un rythme comme ça, je vous assure que c'est impressionnant. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Jamais j'aurais imaginé qu'on pourrait chanter, danser, crier. Il faudrait à chaque fois que dans les deux équipes, on sente que ça commence à construire sur une histoire. Tu t'emmerdes avec nous, c'est ça ? Le groupe est toujours formé et vous essayez de trouver à tous. Hé, hey, Gabriel ! Tous ensemble. Gabriel ! Gabriel ! Oh, c'est mou. Gabriel ! C'est un truc que chacun sent individuellement. Et du coup, quand on fait ça, on se dit, bah, moi, je fais partie de ce groupe. Vraiment, on se dit, mais si on continue à faire ça, on peut tout faire.
Et évidemment, ça dégénère. Mais c'est... Et voilà, et je trouve... Et c'est peut-être parce qu'elle a aussi du caractère qu'à un moment donné, elle dit, là, c'est moi, et qu'elle s'est cassé la gueule de la passerelle. Et oui, mais tout d'un coup, qui elle est coupable? Il faudrait qu'on se dise tous, finalement, c'est une situation qui pourrait m'arriver. Que je sois Gabrielle, mais que je sois aussi... On sait très bien, hein, un phénomène de groupe, les soirées, le côté un peu défi... Enfin, tout ce qui peut nous échapper, où on se dit, évidemment, que si j'avais été seule, jamais j'aurais fait ça. Mais... Un groupe, c'est puissant. Et puisqu'on travaille sur un groupe, puisque vous êtes un groupe, puisqu'on travaille sur des thèmes qui sont bah, le territoire, votre âge, etc., allons aussi... qu'est-ce que c'est un groupe? Des fois, c'est très fort, comme je vous disais. Tout d'un coup, tout le monde qui danse... Mais des fois, c'est très mou, parce que si personne n'a la patate, personne n'a... Bah, y a plus de retard. Un groupe, c'est des fois lent et long à tirer. Ou à... Ce que vous dites, là, des fois, quand vous faites... Ah, chut, ça commence... Enfin, vous voyez, y a tout... il faut toujours le calmer, le groupe. Mais c'est... on peut aussi se dire que ça fera partie de l'histoire qu'on raconte. Parce qu'il ne s'agit pas, contrairement dans la pièce, parce que moi, je trouve que la pièce, on s'en sert un peu, mais autrement, je les trouve un peu cruelles. Je pense que vous, personne n'a pas envie de raconter ça. Mais de se dire, dans la vie, il nous est peut-être tous arrivé, dans l'enfance, tout ça, quoi, d'être cruel. Je veux dire, on... cruelle, ça s'en rend compte, en fait. Exactement. Parce que vu qu'il y a l'effet groupe, exactement, chacun a des idées un peu farfelues. Et finalement, tout le monde suit, finalement, entre guillemets, notre âge mental diminue d'une exactement certaine manière. Mais tout comme les 11, ouais, c'est le groupe qui est dangereux. C'est pas ces gens-là, individuellement, qui sont dangereux. Du tout. Pardon, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est pas drôle. Avec toi. Tout ce qui nous tourne dans la tête sans arrêt, tout le temps, 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 sur le plateau, on peut s'en servir. Et pour être sincère, pour être sincère simplement. Et après, quand on revient à après la scène, eh ben, il y a des choses qui se sont débloquées. C'était impossible pour moi de faire Gabrielle pendant l'exercice de danse collective. Enfin, j'osais pas, quoi, tout simplement, en fait. Et je pense que j'avais peur aussi d'être Gabrielle. Surtout quand t'as vécu des trucs qui peuvent y ressembler. Non, mais le pauvre. Oh non, mais arrêtez. On va réussir à raconter cette histoire non ou pas? Oh, c'est trop cool. Alors pour moi, Gabriel, c'est un mec, il a pas compris les règles du jeu, quoi. Ou alors, s'il les a compris, il n'arrive pas à les appliquer. On fait n'importe quoi. On va en avion, vas-y, suivez-moi. Allez. Étant petit, comme moi, je suis dans une famille où je suis le plus jeune de toute la famille, je veux dire, ma nièce a 10 ans de plus que moi, j'ai toujours eu du mal pour parler aux gens de mon âge, on m'a souvent rejeté pour ça. Donc j'étais pas dans les intellos, j'étais pas dans les sportifs non plus, hein, et j'étais pas non plus dans les racailles. Donc, enfin, dans les boss ou dans les boogos, ça dépend des endroits. Donc, j'ai pas parti du coup des populaires. Du coup, j'étais un peu entre les trois groupes en mode bon, les mecs, je vais où? J'ai tenté tout, hein, mais je me suis fait expulser à chaque porte. Basilique de Saint-Denis. Au final, j'en ai très mal vécu, mais aujourd'hui, au final, voilà, je trouve que c'est une force. C'est de se dire, tiens, si on retrouvait tous nos petits personnages dans le contexte plus chez eux, dans un contexte plus intime, comment, quand on est tout seul, la culpabilité arrive? Donc on va chercher plein de petites scènes. Vous allez faire, on va lire des textes contemporains, toujours avec l'idée, comme sur le texte de Denise Kelly, que effectivement, souvent, le texte contemporain, en plus, vous allez voir, c'est tout de suite soit très trash, très violent. Nous, c'est juste une base d'écriture pour se dire, ok, c'est des scènes qui traitent de ça, à nous de le mettre maintenant dans notre début d'histoire. Et tu faisais quoi hier dans l'impro? C'était quoi ton rôle quand t'avais... Moi, mon rôle, j'étais le mec qui pigeait rien. Mais on t'avait donné un rôle quand même, non? Je devais juste filer des gants, je crois, ou faire un truc. Enfin, je sais pas si je devais vraiment partir ou pas. Donc c'est pas mieux qu'il me demande de venir jouer avec lui, tout simplement? Que ça va directement ouais dans le sujet. Sinon... Ouais, viens, on va faire une petite partie de basket, ou dit tout ça. Moi, je fais, oh, là, ça commence, toi. Ok. Ouais, ouais, j'ai pas envie, tout ça. Bah, franchement, je me suis pas trop vu dans l'histoire Gabrielle, mais c'est le seul moment où je me suis reconnu, où le lieu, c'est peut-être le fait de faire des trucs un peu dingues dans le sein d'un lycée pour essayer un peu d'être le boss du lycée, disons comme ça, ou se faire des amis. Donc, c'est pas mieux qu'on distribue des rôles, genre. Non, il y a déjà les rôles. Non, mais genre, par exemple, un truc milliard, quelqu'un. Mais on l'a déjà, on va dire. Bah, préciser, c'est quoi qui fait qui, alors? Elle, c'est la chienne de la chef. Elle, c'est la chef. Elle, c'est la meuf qui veut partir parce qu'elle a peur. Lui, c'est le macho qui veut pas écouter. Et nous, on est les fighters qui se fightent.
Je suis arrivé en France il y a 5 ans. Oui, il y en a qui m'ont demandé d'où je venais en me disant que j'ai quand même un petit accent. Après, je leur ai dit que je viens de Russie. Mais alors, vous avez commencé ou pas? Ouais, on a vachement commencé. En fait, on a fait tout ensemble. Mets-nous au courant, là. Quand j'étais petit, en Tchétchénie, comme j'avais pas de grand frère, comme j'étais le premier enfant, après, il y avait toujours des provocations, les autres élèves qui venaient, comment dire, te provoquer. Mais après, je me suis jamais considéré comme une victime. J'étais coriace, je répondais. Non, pas Gabriel, moi, non. Nous, on met une lettre, genre comme quoi, pour faire passer Gabriel, il a sauté, genre il s'est suicidé, dans, genre comme par hasard sur lui, il y a une lettre qui dit voilà, j'en pouvais plus, il me persécutait, etc., il martyrisait, etc. La lettre, elle peut pas être écrite à la main parce que, genre il est dans notre lycée et tout, donc. Mais non, tapé, c'est trop. Donc il faut qu'elle soit tapée à son ordinateur, donc il faut que quelqu'un s'introduise chez lui, genre avec des gants, tape un truc sur son ordi, comme ça. Il faut qu'il change la date pour faire croire que la lettre a été écrite, genre avant machin, comme ça. Si la police fouille dans son ordi, ils trouveront le document qui correspond à la lettre qu'il a dans sa poche. Oui, mais déjà ça va faire trop si Canel elle veut rien faire parce qu'elle veut dire la vérité et que moi je suis dévastée et ça fait trop de. Deux personnages out déjà. On peut être voilà. Trois à suivre le bas. Bah oui aussi. Ouais, c'est clair. Et en même temps, moi je me sens. Enfin, je sais pas, comme j'ai parlé avec Julie, je me sentais plus de faire un truc où je reprends mon propre vécu, genre de pas trop savoir où me mettre dans la bande. Enfin, c'est un peu ce que c'est je ressens. C'est un peu ça, c'est un peu juste... ce que je ressens là en ce moment. En fait, t'es un peu genre juste un peu en mode, mais putain, mais c'est quoi ce délire? Tu peux être dévasté et pourtant suivre les instructions parce que. Enfin, justement, parce que t'as dévasté et parce que tu veux trouver ta place. Quoi faire, et que du coup, vu que tu sais pas où mettre ta place, bah, c'est nous qui allons donner ta place. Personnellement, j'ai pas l'impression de tant montrer de moi que ça en fait sur scène. J'ai quand même pas la même personne quand je suis avec les gens du théâtre et quand je suis avec mes potes dans dehors. Ou mes potes du lycée. Ou... Ouais. Mais je sais qu'il y a des personnes qui apportent vachement de même. Clarisse, par exemple, j'ai l'impression que ça lui fait beaucoup de bien. Ouais, je dis oui parce que je percute rien et que sinon j'ai pas, sinon j'ai pas de place. Et... Un peu faible. Un peu vulnérable, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais attends, du coup, au niveau des tâches, il faut qu'il y en ait un qui écrive la lettre, un qui aille la poser sur le corps, un qui aille voir le proviseur. Pendant toute ma scolarité, on m'a traité d'intello. Donc voilà comment j'ai été Gabrielle. J'étais l'intello. Pour moi, je voyais pas ça comme une insulte, j'ai jamais vu ça comme une insulte. C'était un fait, tu vois, enfin, j'avais de bonnes notes, je pouvais rien y faire, tu vois. Et il était hors de question que pour m'associer au groupe, j'en ai pas. Du coup, j'ai trouvé un autre biais, c'est l'humour. T'es prête ? Ouais, vas-y. Cette lettre s'adresse à mes parents. Excusez-moi. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que celle que je choisis aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Il est normal que vous ne vous soyez rendu compte de rien. Parce que du coup, comme ça... Je veux que vous me fassiez les deux premières répliques, les deux dernières répliques de votre scène. Pour voir si vous avez choisi comment ça commençait, comment ça finit. Prêtes les filles ? Eh, hey, salut, ça va? Je t'ai vu quelque part, non? Ta tête, elle me dit quelque chose. Ok, fin. La fin, j'ai eu le début. Vas-y. Ah oui, à lundi, alors, au milieu du bus. Très bien. Un jour... j'étais en colo et je connaissais vraiment personne et les autres avaient créé des liens super vite et un jour une fille elle est venue me voir et elle m'a dit que personne ne m'aimait, enfin un truc comme ça, c'était un peu ok, cool, mais bon, voilà. Ça c'est Gabriel. Des fois tu me fais peur. On aime le théâtre, du coup ça nous rassemble et ça nous lie, alors que les groupes à l'école, non, enfin... C'est l'école qui les lit, c'est nul. Alors, c'est une épreuve très compliquée. Arriver à apprendre Juliette présentable. Je suis perçue comme quelqu'un... T'es un peu malade. Enfin, ils disent que je suis malade, c'est pour ça. Et j'arrive pas à être avec beaucoup de personnes à la fois. Parce que quand je suis avec beaucoup de personnes, ensuite je me bloque et je les regarde.
être Gabriel, c'est quelque chose qui nous définit après. Et c'est dur de tuer Gabriel, de son propre Gabriel. C'est grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui et que je me bats pour vivre en étant moi-même. Je crois qu'une grande partie de mon expérience en tant que Gabriel s'est transformée en bienveillance envers les autres. Moi, je me suis sentie Gabriel. Le jour où, au collège, une pétition a circulé dans la classe pour que je m'en aille. Sur 32 élèves, 31 avaient signé. Ça a duré pile une heure, à la minute près. Ok, bon ben bravo à tous, hein. Bravo, vous avez vraiment assuré. D'abord, vous avez assuré pour l'ordre des scènes. Évidemment, on voit, c'est trop long, il y a des choses, ça demande d'être travaillé. Mais au bout d'une semaine, même pour vous, spectateurs, alors que vous connaissiez, on vous sentait pris. Il faut qu'on continue, il faut qu'on reste autant concentré sur les samedis. Parce que vous aurez votre vie au collège, au lycée. Tout ce qui va peupler vos semaines, il faut que le samedi, on ne mette pas trois quarts d'heure à se retrouver. Il faut qu'on se retrouve pour se mettre au travail, parce que je pense que vous êtes vraiment une super troupe et que vous avez moyen de faire une super création collective. Il faut qu'on reste très concentré. Voilà, j'espère que ma contribution au projet apporte beaucoup. C'est vrai que je donne beaucoup de ma personne. C'est vrai que c'est un peu mon boulot sur Terre, mais voilà, je vais continuer. Il y a un truc qui est étonnant. Ils ont quand même réussi à ouvrir un autre univers que leur espace de lycée, de maison, de voisinage, assez rapidement, qui a pris une place dans leur vie. C'est dur, ça ? L'escalade ? Ouais. Bah ouais. Ça va. Marius, il est parti. Je pense qu'ils ont accès à beaucoup de choses. Ils ont accès à la ville directement, ils ont accès au monde avec leur téléphone. Et je pense qu'en fait, ils ont accès, ils sont directement plongés dans un monde d'adultes et à la fois avec des problématiques d'adolescents qui fait qu'ils sont complètement dans leur truc. Mais c'est très étonnant. Il y a des liens qui se créent, des liens sûrement forts, très forts. Mais j'espère que ce n'est pas des liens forts et ensuite qu'ils partent aussi rapidement. Bah, notamment dans la troupe, j'ai rencontré Juliette. C'est amour fusionnel, en fait. Enfin, ça s'est fait très rapidement, en fait. On a tout de suite tissé quelque chose, vu qu'on a des choses très similaires et d'autres choses qui sont complètement mais différentes. Enfin, et je suis vraiment heureuse de l'avoir rencontrée. Parce que c'est une super belle personne et ça fait du bien de voir des gens comme ça. On n'a pas du tout le même style, et... mais on s'est retrouvés sur pas mal de trucs. Ouais. Et Katia, je la connais moins, mais c'est quelqu'un qui a encore plus une vie différente et une personnalité différente. Et pourtant, comme on n'avait pas trop de préjugés, je pense, à la base, enfin les uns avec les autres, et qu'on s'est ouvert, en fait, on dépasse tout ça, et voilà. Ramener les... Moi j'ai complètement oublié. C'est ça de ne pas regarder les messages sur le message groupé, hein. Mais non, mais je regarde pas tu les messages. Tu regrettes après. Non, parce que il y en a 14 messages à la seconde. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, quand je suis arrivée, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, vas-y, j'avais envie de me cacher, d'aller dans un trou là. Mais c'est cool parce que, ouais, tout le monde n'aurait pas fait ça. Et c'est ça, hein, dans ce sens-là, que le théâtre ça rapproche. Dans la vraie vie, je pense pas que ça serait passé comme ça.
Ouais, je me suis sentie Gabrielle quand je suis arrivée à Paris 8, à Saint-Denis, à l'université. Quand t'es au café, que les gens se retrouvent et que t'arrives, tu sais pas si tu vas les voir. Tu sais pas si tu vas dire bonjour ou pas, ou tu restes dans ton coin. Ouais, il y a des choses comme ça où tu te poses des questions, en fait. Parce que t'as envie de t'intégrer et que pour toi, c'est important. Et moi, je sais que pour moi, ça l'est beaucoup. Il y a une petite surprise dans le gâteau, mais on te laisse. Bon, franchement, ouais, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà. Là, 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 là. Walid, on vote, Walid. Walid, Walid. Walid. Hey, t'as fait deux. Allez, Walid. Mais c'est pas moi. C'est toi. Ouais, c'est toi. Allez, c'est toi. Allez, bouge, t'inquiète, après tu reviens. Le public a voté, la sentence est irrévocable. Ils voient rien de personnel, hein. En fait, je m'étais pris une première claque en sixième, où en fait, pendant tout le mois de sixième, j'ai traîné qu'avec la même bande de mecs, avec qui je pensais bien entendre, ils m'invitaient à leur anniversaire, nanani, tout ça, tous les trucs. Et fin de sixième, prof principal demande avec qui vous voulez être l'année prochaine. Donc moi, je me dis, bah, super, cool, on va pouvoir se retrouver tous ensemble, etc. Et là, il y a mon voisin qui me dit, écoute, on m'a demandé de te faire passer un message, ils veulent pas être avec toi. Ah. Et là, genre, dévasté. Voilà, quand on est au collège, on a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin de s'identifier. C'est comme ça, pour presque se sentir exister. Si on est lucide et qu'on acquiert un peu de maturité, je pense que être Gabriel, ça nous arrive qu'une seule fois. Je pense, hein. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé une fois et c'était la dernière, quoi. Plus on voit que c'est concret. Cette chose de, pour moi, une Gabrielle ou un Gabriel, c'est. Et moi, je me suis sentie Gabrielle le jour où. Je vous demanderai jamais si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On s'en fiche. Pour nous, c'est de la fiction. Comme ça, on est tranquille. Mais de se dire que plus vous sortez de l'idée, justement, philosophique de Gabrielle, plus on est vivant. Les gens, Canel, elle veut partir. On dit quoi? Je vous en bats à la place. Et en même temps, c'est le début, enfin après, enfin, tu vois, t'as pas... Oui, c'est le début, mais tout le monde parle à tout le monde, tu vois. Et moi, quand j'essaie d'aller vers quelqu'un, ben, on me parle, mais genre, c'est bizarre. Quand? Genre, je sais pas. Où ça? Non, mais je suis personne en particulier. En général? Non, mais moi, je ressentais la même chose la semaine dernière. Enfin, tu vois, la semaine dernière, quand il y avait tout le monde comme ça, j'arrivais... Enfin, j'étais un peu la meuf qui sait pas où. Des vagues qui flottaient comme ça, de gens en gens, qui savaient pas trop quoi dire. C'est comme moi, je tombe, donc après, on remarque, mais... C'est les grands groupes, parce que les grands groupes, c'est impossible de parler avec tout le monde. T'as toujours des petits clans qui se forment. Mais regarde, là, on est ensemble, on est pas trop. Mais regarde, là, on est... Parce que moi, je suis dans aucun clan, vous voyez. Mais c'est Gugu. Mais bien sûr que si, t'es dans être avec nous. Bah oui. Tu me laisses. Quoi? Team lesbienne. Tu veux dire quoi, ça? Ah, team lesbienne? Oui, bah oui. Je ferai toujours partie, évidemment. Bah voilà, on est à tous les... Non, mais sérieusement. Depuis que je suis petite, jamais, à aucun moment, j'ai été intégrée dans une classe. Je suis toujours au fond de la salle, on ne me parle pas, et si on me parle, c'était pour m'insulter, me balancer mes affaires par la fenêtre. Je me cherche encore, mais du côté de mon homosexualité, je ne me cherche plus du tout. Je l'ai su tôt, oui, en quatrième. Et je sais pas, ça s'est fait comme ça, par un simple frôlement de main d'une fille. Et j'en pleurais tous les soirs parce que je me disais, non, c'est pas possible, je peux pas l'être. Avant, quand je voyais des homos, je changeais de trottoir et c'est tombé sur moi. J'ai mis du temps à l'accepter parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, surtout dans un milieu comme Saint-Ouen. Mais faut s'y faire, je veux dire, on est ce qu'on est. Et puis voilà, maintenant que je me suis appropriée ça, bah, je vis beaucoup mieux et je fais pas attention aux personnes qui me critiquent. Je crois que le groupe, c'est quelque chose d'extrêmement galvanisateur et d'extrêmement dangereux quand on n'y est pas. Mais je pense que dans le groupe, la plupart des gens sont retrouvés Gabriel. C'est juste un moment où on arrive à prendre la parole, un autre moment où on n'arrive pas. Un autre moment où on a l'impression que on n'est pas là. Je
c'est pas un jour je suis rentrée de cours et je me suis rendue compte que j'avais aucun mot d'absence alors que j'avais raté toute une journée parce que personne n'avait remarqué que j'étais pas là, quoi. Et c'était assez... Ouais, c'est là où j'aurais souhaité que mes parents reçoivent le mot d'absence, quoi. J'aime bien être seule et tout, mais inconsciemment, je reste peu souvent seule parce que je sais que c'est mal vu. Les gens qui assument d'être seuls, par exemple, à la cantine du lycée, c'est très fort. Moi, je sais que si je me retrouve sans pote pour manger avec moi, j'irai pas manger, quoi. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. With a bomb tick, you heard them say it. My shoes have no absolute. She tells me we should be in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick. But I love it, command me to be with. Amen. Amen. Gabriel, on a ta veste. Ouais. Tu nous ramènes de l'alcool, on te ramène ta veste. Ouais, voilà. Si on est gentil. Hey, t'es qui gentil, pour faire ça là? T'es qui, ouais, t'es qui là? Tu en prends une deux. Gabriel, Eh non, qu'est-ce que c'est cool là? Elle prend ma veste. T'as vu comment elle s'énervait un peu? Vas-y, on va la rendre. Arrêtez! Mon bonnet! Arrêtez! En fait, ce qui était bien dans l'exercice-là, c'est que vu que vous êtes restés sur les chaises et que ça s'est échangé, on a l'impression qu'après, le coup du t-shirt et du bonnet, ça peut se passer en haut d'une grue et que la chute, elle peut arriver d'une connerie comme ça. On pourrait arriver jusqu'à la mort. Moi, je préfère quand c'est ça et que c'est vraiment accidentel que quand il y a quelque chose de prémédité où c'est des gens qui insultent, où on se dit ils sont tous ligués. Mais c'est aussi, ça fait partie de l'humeur de Gabrielle. Hein. Plus la Gabrielle, elle est aussi, il ou elle, joueur et partant, plus l'accident, il est possible. Allez, Laurane. Et on se connaît, non? Ah, tu me dis quelque chose? Oui. Laurane, ouais. Ça va? Ouais, toi c'est, attends, Marielle, Lilielle, Aniel. Non. Non, c'est quoi déjà ton nom, attends? Faut que ce soit un jeu entre vous, parce qu'elle, elle te laisse, tu vois. Tu me dis pas, hein, je laisse sur le bout de la langue, c'est tac, 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 jusqu'à ce qu'elle t'aide, voilà, tu vois, c'est sorti tout seul, Gabriel. Plus vous êtes complices dans cette scène-là, plus on dépose tous les thèmes. D'accord. D'accord. Mais dès qu'il y a le côté un peu victime et un peu méchante, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ouais, mais du coup, t'habites où? Bah, non, on est voisines, tu sais. On est voisines? Sérieux? Ouais. L'immeuble bleu, t'habites à côté de moi. Orange. C'est la belle maison. Ça, c'était juste. Tu peux garder ça. C'est là, elle dit, bah oui, tu sais, même des fois, je viens chez toi, je t'apporte les lettres qui... Ah ouais, d'ailleurs, tu remercieras. Enfin, ma mère, elle te dit merci. Tous ces trucs-là. En fait, tu n'as jamais imprimé sa tête, quoi. D'accord? Mais, tu sais, on est dans la même classe. Non. Si. On est à côté en français. On est à côté en français? Oui. Alors, toi, c'est ta porte de sortie. Tu fais que la même classe. Et oui, Gabrielle de la même classe. Évidemment, tu sais qu'il y a une fête. Elle essaye de. Tu vois, tu sais qu'il y a une fête samedi. Non, je suis pas au courant. Elle était sérieux, il y a une fête de ouf hein, chez Célim, etc. De dire oui, mais moi, tu sais, je suis pas invitée. Eh ben, moi, je t'invite. Gabrielle, oui, je t'invite. T'es au courant, on fait une fête samedi? Ah, non. Ben, viens. Non, mais je suis pas invitée, je vais pas venir. Mais c'est bon, moi, je t'invite, d'accord? Tout le monde va te kiffer, je te jure. Ok? Je vais réfléchir. Ok. Bon, allez, moi, je bouge, hein. Ouais. Bah, vas-y, on se voit samedi? Oui, samedi. Ou alors, lundi, enfin, faut que je vois ces gens, donc à lundi au milieu du bus, au cas où. Donc là, on est dimanche. Il y a eu l'accident. On sait pas, hein, que Gabrielle est mort ou morte. On essaye de voir ce qui se passe. Boulat, il y a un problème avec Wadid. Enfin, depuis deux jours, il me répond pas, il veut pas que je le vois. Qu'est-ce qu'il a? Je comprends pas. J'avoue qu'il commence à me casser les pieds aussi. Wadid, viens ici! Y'a quoi? Bon. Mets tes godasses, on va aller taper dans le ballon.
Allez, continue. Et je peux pas continuer avec lui. Que ce soit difficile, c'est une chose. Par contre, il faut se mettre un peu plus dedans. Hein. Parce que là, on se marre trop. Hein. Ça va pas nous aider. Hein. Alors qu'il y a des choses qui nous fassent marrer, ça va. Mais il va falloir qu'on rentre un petit peu plus dans les scènes. Du coup, en fait, il faut qu'on bosse cette semaine. On se met d'accord sur le fait qu'on bosse sur toutes nos scènes, quitte à pas toutes les passer. Le travail, il va se faire entre deux séances, si vous retravaillez, parce qu'autrement, on est 19. C'est surréaliste, hein, d'écrire une pièce à 19. Donc, c'est important que chacun se pose ces questions-là pour qu'après, on puisse les voir au plateau. Parce qu'après, par contre, de jouer en improvisation ensemble, c'est un vrai plaisir. Mais il faut passer par une phase un peu plus compliquée. Enfin, franchement, on n'est pas prêts, je pense. On a juste fait des petits trucs. Et en plus, je pensais que la scène avec Gabriel, ce serait au début. Et puis en fait, ils la mettent à la fin. Du coup, ça change tout. C'est bizarre comme le spectacle il sort. Il aura de toute façon un corps qui est encore vraiment inconnu, qui sera signé le jour de la première. Mais si on l'accepte pas, on triche, on remplit pas vraiment les conditions de ce genre de forme, quoi. Stylé, regardez mon nom, il est en tout premier. Je suis trop fière. Il a de la chance, Wadid. Il est où? Wadid, t'as vu, c'est toi. Hein. Ah, c'est moi, ça. On voit mes chaussures. C'est pas moi, c'est Poulat, il a jeté un sort. On voit ma chemise, mon pantalon, mes chaussures. C'est un bon début, ça va. Après, peut-être ça sera la tête, on ne sait pas. Il y a la famille qui va venir, les potes. C'est pas que j'ai pas envie de les décevoir, mais voilà. J'ai envie qu'ils voient ce que je vaux, quoi, réellement sur les planches. Pour l'instant, on fait plein d'exercices, on fait plein d'impro, mais j'arrive pas trop à voir vraiment ce que ça va donner. Faut vraiment penser que c'est comme un cœur. Seulement, au lieu de parler tous ensemble, ce serait trop classique par rapport à notre travail, c'est comment il y a une parole collective qui se construit, mais qu'avec des paroles individuelles. On m'avait entraîné, c'est vous qui devriez être à ma place, très bien. Mais Gabriel, t'aurais pu t'en sortir. Je t'en veux, Gabriel. Pourquoi tu t'es pas défendu? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu engueules, papa? Jusqu'où je dois aller? Tu ne veux vraiment rien me dire? Je sais que je t'ai déçu. Regarde-moi, maman. Tous ces lieux fictifs, tous les lieux des accidents qui sont des lieux réels, ils existent. Et qu'on a écrit, nous, une fiction à partir de leur réalité. Donc ça, c'est le trajet du spectacle. Le ventre du spectacle, après, lui, c'est de la fiction. Quelqu'un va aller chez Gabriel. Un pull, une écharpe, je sais pas, tout ce que tu veux. Et vu qu'il fait froid, le SDF, on va le mettre sur les quais de Seine, et il va le prendre, d'accord? Et comme ça, on va le faire accuser. Vous vous rendez compte, là, du risque qu'on prend en mentant? Vous voulez accuser quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui va aller en prison à notre place? Ouais, mais à côté d'autre! C'est toi qui l'as jeté! Qui l'as jeté dans... Là, qui l'as jeté dans l'emmerde! Le moment où vous gueulez Gabriel dure des plombs. Il faut que vous preniez le risque. Ouais, parce que là, vous vous attendez. Ouais. Il faut vraiment que vous ayez la sensation de... Ah, ça pète, quoi. C'est une décision qu'on va prendre tous ensemble, alors on l'écoute et on décidera après. Parfait. Reviens, Poulat. On a besoin de toi. Reviens, Poulat, on a besoin de toi. Wally, fais la même chose avec la voix. Merde, moi je participe pas à ça, je me casse tout de suite. Emma. Tu me lâches. Tu me touches pas. J'étais là et j'ai rien fait. Alors que pourtant, je sentais très bien qu'il se passait quelque chose de pas bon, qu'il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Moi, attends, dis-toi que j'ai un petit frère là. Je suis toute seule à m'en occuper de lui. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va aller à la danse? Vous avez vous trouvé ça drôle? Vous m'écoutez même pas? Toi, tu dis une phrase claque, tout de suite, une personne enchaîne, tout de suite. Genre. Avant que toi t'arrives, pas des choses précises, ça monte. Mais c'est des petits renseignements qui font créer une petite histoire, tu vois. Et le public, il s'imagine quand même des trucs. Moi, par exemple, je me vois plus sur le pont et pas du tout sur les rails. Pour moi, Gabriel, plus il a fait le malin. Il a voulu rejoindre Céline, mais pas de la même manière, et il est tombé. Bon voilà, ils nous ont suivis, puis après, il y a Gabriel qui allait descendre, et puis voilà, je sais pas, pour déconner, on l'a poussé, on a applaudi, on lui a demandé de sauter, mais pour déconner, enfin, on pensait pas qu'il allait le faire, il y avait une échelle. Ok, vous pouvez sortir tranquillement. Prendre une place. Doucement. Regardez le public. Arrêtez-vous et n'allez pas trop... Restez plutôt dans la partie fond. Vraiment, que vous voyez, là, vous êtes trop près. Vous sortez des images pour dire, finalement, on a extrapolé un thème qui peut être dans le quotidien de chacun. À partir du moment où il y a la fête, on rentre dans le drame. On rentre dans l'accident.
Là, oui, on a théâtralisé les choses pour jouer. Et après, il faut jouer ensemble. Il y a quelque chose, il y a une escalade, il y a les suspicions. On rentre dans les cerveaux de chacun pour à la fin dire, attendez, ça, c'était du théâtre. Mais finalement, est-ce que dans ce qu'on a raconté, il n'y a pas quand même quelque chose qui plane partout autour de nous ou dans l'histoire de chacun? Aussi simplement que ça, et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on vous regarde tous les trois. On vous souhaite un énorme merde. Amusez-vous, soyez ensemble. Merde, merde, merde. Ça va? Est-ce que j'ai pas un commande pour ça? Est-ce que je ne me rends pas compte? Tu vas te rendre compte avec les gens. Je vais. T'inquiète pas, tu restes là. Va un peu avec les autres, je t'appellerai quand tu vas n'arrive pas, c'est elle qui arrive. C'est toi qui vas arriver dans la salle, moi je vais rentrer en scène dans un quart d'heure, je pense que toi on se retrouve après. Tu lui dis ça. Avec ma grand-mère. Mais non, c'est pas bien que tu sors. C'est mieux que tu restes avec tes. Mais oui, tu lui dis, tu lui dis. Non, mais oui, non, mais oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu la rassures. Je crois que je vais la rassurer. Voilà. Je lui dis, t'inquiète pas, je suis là. Voilà. Tu viens. Exactement. Et au revoir. Voilà. Voilà, je raccroche après ensuite au nez. Comme ça. Mais si, parce que non, après, dis tout au revoir. Hé, ça va? Je te connais, non? Ouais, Lorraine, ça va? Tu connais mon nom? Attends, toi, c'est quoi déjà? Estelle, Marielle, Gwendaëlle... Gabrielle? J'allais le dire. Mais t'es du quartier? Je t'ai jamais vu, en fait, c'est pour ça... Non, mais j'habite dans ton immeuble, tu sais, c'est moi qui viens te donner tes lettres quand le facteur s'est trompé. Ok, mais je t'ai jamais vu prendre le bus. Mais t'es à quel lycée? Bah, le tien. Et t'es en quelle classe? La tienne. Ah, les cours de français, c'est pour ça, Gabrielle, je me rappelle. Oui, enfin, ouais. Tous les cours. C'est trop long. C'est tout petit. Mais j'étais en train de lire. T'as lâché l'affaire, Ça, les Arabes toujours ils prennent. Tu vas le déchirer, les libés, le libé. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur. Ce qui est intéressant, c'est vu qu'on change de lieu, il y a le côté de s'approprier un nouveau lieu. Fait que de toute façon, dans ma forme, les entrées-sorties ne seront pas les mêmes. On va peut-être décider de démarrer de la salle. En fait, c'est ces choses-là qui mettent le spectacle au présent. Allez, allez, faites pas des cons. Allez. L'entrée de la fête, t'es où, Iris? Ah, mais non, ça c'est dans les deux sens ou vous allez. Ça se dans les deux sens, ouais, j'ai regardé. Mais après, on entend en tout cas. On peut coincer la porte. Vous allez ouvrir et rentrer? Ok. Ok, alors ça marche pas du tout. Voyez, regarde, c'est très déséquilibré du côté de Wadid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a au moins une personne qui doit passer dans l'autre groupe derrière. Parce qu'à la rigueur, ça fonctionne quand vous rentrez, écoutez-moi, et quand vraiment vous faites une ligne qui se met très bien en place. Après, il reste un quart d'heure pour aller jusqu'à la fin. Allez, on refait. Pourquoi on en est là? Sérieusement, qui a pété mon pote? Regarde-moi, je te déçois, c'est ça? C'est vous qui m'avez entraîné, vous devriez être à ma place! Mais Gabriel, je comprends pas, t'aurais pu t'en sortir! Je t'en veux, Gabriel! Pourquoi tu t'es pas défendu? Mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'engueules, papa? Jusqu'où est-ce que je dois aller? Maman, qu'est-ce que je t'ai fait, s'il te plaît, regarde-moi! Pourquoi tu t'es pas défendu? Je comprends pas! Oui, j'ai tué quelqu'un, mais je regrette rien. J'ai eu un impact sur quelque chose. Maintenant, j'existe. Ne regardez pas comme ça. Je sais que je vous ai déçu. Non, ça c'est une fille ou un garçon? Gabrielle, ouais. C'est une fille et un garçon, c'est Gabrielle, c'est une personne, on s'en fout du sexe. Ah, okay, je suis pas mise à l'écart, mais j'ai mis à l'écart des gens, tu vois. Voilà, bah voilà. Je suis moqué de pas mal de gens dans ma vie, quand même. Je pense que toi, Marie, t'as plus été Gabrielle. Que moi, je l'ai été. Moi, j'ai été le bourreau, tu vois. Moi, je serais passé devant les flics, je serais mort plusieurs fois, tu vois. Mmh.
C'est la dernière. Il faut vraiment y aller à fond. C'est là où tout est né, hein, dans cet endroit. Il faut vraiment l'investir. Il faut que vous preniez le pouvoir de cet espace. Si l'espace est plus grand que vous, on est mort. Ça veut dire que pour que vous sortiez vraiment fier et heureux de cette dernière représentation et de toute l'aventure, ça veut dire que ce soir, il faut improviser. Il faut que vous vous sentiez ensemble, ce soir, ensemble au plateau dans vos personnages et ensemble avec nous trois aussi dans tout le déroulé. On vous souhaite un énorme merci. Profitez de cette représentation et improvisez ensemble. Ça a vraiment changé ma vie, en fait, ce projet. Enfin, ça fait très théâtral comme phrase, mais vraiment. J'ai l'impression que tous, on s'est mis à nu, entre guillemets, et on n'a pas de... On n'a pas à se cacher, en fait. On n'a pas... Y a pas d'hypocrisie, y a pas de... Non, y a rien. Y a rien de tout ça, en fait. On est descendu, puis y a Gabriel. Tu sais, voilà, c'est comme d'habitude, il fait le con. Voilà, il arrête pas de se la raconter, puis du coup, voilà, pour déconner, on a applaudi en mode, vas-y, saute. Chacun a sa personne, chacun est lui-même, et on l'accepte tel qu'il est, parce que finalement, ce qu'il donne sur le plateau, c'est un truc fort, quoi. Il nous a menti. Comment ça, il nous a menti? Il a dit qu'il était pas à la soirée où Gabrielle est morte. Il y était pas? Il y était, maman, j'ai vérifié. Il y était pas, Kenza. Depuis que t'es petite, t'es une menteuse. Si t'avais pu mentir dans mon ventre, tu l'aurais fait, Kenza. Oh, maman, tu réalises ce que tu me dis ou pas? Mais réaliser quoi, Kenza? Ton frère, il a rien fait. Maman, il est peut-être impliqué dans cette affaire. Il est pas impliqué dans cette affaire. Mais il faut qu'on en parle avec lui, je sais pas. Il s'est rien versé, Kenza. Point. Je suis mal, vous savez très bien que je suis mal. Mais on est là pour t'aider. Mais j'ai pas envie, j'ai besoin de personne. J'ai envie de rester dans ma chambre tout seul. Et surtout pas avec vous. Avant d'arriver en France, mon rêve c'était de devenir footballeur. Je voulais faire du foot, je voulais être un grand footballeur. Si j'aurais été en Tchétchénie, j'aurais peut-être même pas osé de vouloir faire du théâtre ou être acteur. Voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce que je veux faire. Moi, je veux juste... Tout ce que je veux, c'est genre juste exprimer un peu ce que je suis, comme tout le monde, je pense. Marius, je suis pas là pour te juger. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent les gens, ok? Ça se voit? Marius, arrête de réfléchir comme ça, arrête d'agir comme ça. Je te juge pas, je te critique pas, je veux juste savoir ce qui s'est passé, Marius, s'il te plaît. Pour la dernière fois, t'étais où samedi dernier? Qu'est-ce que t'as fait? Fous-moi la paix! L'important, c'est de vivre ta vie et de pas toujours regarder ce que les autres, ils en pensent. Non, tu vis ta vie, tu traces ta route. Moi, j'ai 18 ans, je vais aller en prison. Et moi, je vais faire comment? Quoi? J'ai mon petit frère, il a 8 ans. C'est moi qui ai la garde parentale. Qu'est-ce qu'il attend? C'est quoi son futur? C'est la DAS? C'est ça? Non. C'est pas possible. Je suis grande sœur. Finalement, ça sert à quoi d'être grande sœur? Si on peut même pas montrer l'exemple? Non. À cause de vos conneries! Je vous ai suivi bêtement! T'aurais dû faire comme moi, t'aurais dû partir avant la fin. Mais comment tu voulais que je sache? C'est pas possible de savoir ça! Je déteste la société. Vraiment, très profondément. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, alors qu'on est 7 milliards? Enfin, on arrive à un seuil où on va régresser si on fait pas quelque chose. Je n'accepte plus de ne pas pouvoir me regarder dans le miroir, de ne pas pouvoir accepter qui je suis. La chute. Tu vois, début, milieu, fin. La chute. Ce qui me tue, en fait, c'est de savoir que je saurais jamais ce que ça aurait changé si j'avais fait quelque chose. Et moi, je me suis sentie Gabrielle le jour où, au collège, une pétition a circulé dans la classe pour que je parte. Sur 32 élèves, 31 avaient signé. Thank you.
ensuite, ça va être tout noir. Ce sera un peu l'apocalypse. Mais ensuite, on s'y habituera. Ensuite, ce sera bien. Ce sera moins bien, c'est tout. Je pense que, en fait, on va disparaître comme les Incas et tout, et puis il y a une autre civilisation qui va arriver.